Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc, je vais commencer une série On a testé. Donc, en fait, ce que j'aimerais faire, le principe de cette série, c'est de tester tous les restaurants de Disney. Donc, pour ce premier On a testé, je vais tester le restaurant Vapiano, donc le nouveau qui a ouvert à Disney Village. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une précédente vidéo. Je vous expliquerai le fonctionnement après vous avoir montré un peu les lieux. Allez, c'est parti! C'est de servir votre plat devant vous, enfin de le faire devant vous avec des produits frais. C'est vraiment juste hyper bon en fait, il n'y a même pas de mots. Enfin, franchement c'est pas du tout comme un restaurant basique en fait, c'est un peu comme un self-service. On prend son plateau, c'est couvert, vous dites au chef cuisinier ce que vous voulez
il vous le fait comme ça. C'est vraiment vraiment top et c'est ultra méga bon quoi. Puis les cuisiniers sont super gentils, j'ai pu filmer comme je voulais, donc c'est vraiment top. Puis même l'enseigne, c'est hyper nature, c'est vraiment très joli. Comme vous avez pu le voir sur les murs en haut des cuisines, il y a des croquis des attractions en fait. Il y avait BTM, Space Mountain, Pirates des Caraïbes et plein d'autres. Du coup, je trouve ça assez sympa qu'ils fassent un petit rappel à Disney. En fait, vous avez un système de cartes. Ils vous donnent une carte dès que vous entrez dans le restaurant. Vous scannez tous vos plats, tout ce que vous prenez. En fait, vous payez juste à la fin, en fait, donc sur votre carte. Voilà, je trouve ça assez sympa, c'est pratique et c'est très très bon. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, fortement, je vous le conseille. Prochainement, il va y avoir un nouveau restaurant, je ne sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un peu les hamburgers, mais les hamburgers bien faits, un peu comme chez Annette's, je ne sais pas si vous voyez ce restaurant. Donc voilà, je pense qu'on le testera aussi dès qu'il ouvrira. Donc voilà, petite vidéo, on a testé ce restaurant, je pense que j'en ferai plusieurs, peut-être sur tous les restaurants de Disney, je ne sais pas. Là, comme vous savez, il y en a des très très chers, le restaurant de Cendrillon, tout ça, le Blue Lagoon, qui sont assez chers. Je pense qu'on les fera quand même au moins une fois, voilà, pour voir un peu comment ça se passe. Sinon, celui-là, au niveau des prix, il est assez abordable. Moi, j'ai eu... Enfin, le plus gros plat, au niveau du prix, c'est 16,30€. C'est pas excessif. C'est comme à peu près un restaurant normal, on va dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et mettre un commentaire si ça vous a plu, si vous avez eu l'occasion d'y aller, ou si vous aimeriez que je teste un autre restaurant particulier. Je vous fais de gros bisous. Enjoy! Et voilà des jolies crêpes, un peu noires mais appétissantes. Et voilà les amis, on a nos crêpes. Bon, elles payent pas de mie comme ça parce qu'elles sont un peu noires, mais honnêtement, elles sont super bonnes. Moi qui ai déjà goûté. Donc comme je le disais, elles sont pas trop sucrées, donc vous pouvez rajouter du sucre ou prendre...